Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, on Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de faire votre camouflage Dark Eater très facilement et très rapidement. Et dans ce glitch, je vais même vous montrer comment vous allez pouvoir passer des manches en illimité, et si vous avez un Cronus Max, vous allez pouvoir passer les manches en illimité sans rien faire. Alors pour être invincible et faire des manches en illimité, vous allez devoir vous procurer l'arme spéciale. Mais très important, quand vous allez prendre l'arme spéciale, vous devez l'échanger contre votre arme principale. Donc votre arme principale, c'est l'arme avec le nom en rouge, donc que vous pouvez voir en bas à droite. Donc vous échangez votre arme principale contre l'arme spéciale et ensuite vous vous dirigez vers le glitch comme je le montre dans le gameplay. Donc contre le mur, ce que vous allez devoir faire, c'est sauter une petite fois pour être sur le rebord. Et quand vous êtes sur le rebord, vous allez devoir vous accroupir et vous décaler tout à gauche jusqu'à un petit angle où vous allez être plus ou moins bloqué. Ensuite, vous vous retournez et là, vous vous suicidez avec une grenade ou alors avec les zombies. Mais très important, si vous voulez faire des manches en illimité, il faudra que vous ayez votre arme spéciale dans vos mains. Si vous voulez juste faire le camouflage Dark Eater, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre arme spéciale dans les mains. Donc quand vous êtes mort, vous allez devoir vous décaler tout à droite jusqu'à un moment où vous allez être bloqué plus ou moins. Donc décalez-vous vers l'arrière et vers la droite. À un moment, vous ne pourrez plus vous déplacer vers la droite. Donc à ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de maintenir rond et appuyer sur carré en même temps pour vous auto-réanimer. Alors si vous jouez à plusieurs, ben, l'autre personne peut vous réanimer aussi. Mais vous, vous devez maintenir rond jusqu'à temps d'être réanimé et puis ensuite, vous pouvez le lâcher. Après, vous ne pourrez plus vous déplacer à gauche ou à droite, mais vous pourrez déplacer votre viseur. Alors si vous avez bien réussi, vous aurez votre arme spéciale en main. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne que avec l'arme spéciale de base. Ça ne fonctionne pas avec l'amélioration de l'arme spéciale Nova. Alors si jamais quelqu'un a réussi à y aller avec l'arme spéciale Nova, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc maintenant, comme vous êtes dans le glitch avec votre arme spéciale, vous pouvez passer des manches en illimité. Alors bien entendu, pour ceux qui veulent passer des manches en illimité sans rien faire avec le Cronus Max, je mettrai un script dans la description, comme ça vous aurez juste à le télécharger, à le mettre sur la clé USB Cronus Max et ensuite à appuyer sur flèche de gauche pour activer le script. Alors pour ceux qui veulent se servir de ce glitch pour débloquer le camouflage Dark Eater sur le zombie, eh bien vous avez juste à faire la même chose, sauf que vous ne prenez pas l'arme spéciale. Vous y allez avec l'arme que vous voulez débloquer le camouflage. Donc bien sûr, vous pouvez prendre même deux armes si vous voulez et vous diriger dans le glitch juste après. Et là, vous verrez, les zombies spawneront juste en dessous de vous. Les mégatons, par contre, vous ne pourrez pas les tuer avec votre arme parce qu'ils seront derrière vous. Donc c'est le seul petit point négatif. Mais au moins, vous allez pouvoir faire tous vos tirs tête avec vos armes améliorées sans prendre de risque de mourir facilement et rapidement. Alors le seul problème, c'est que quand vous avez plus de munitions, bah, faudra sortir du glitch pour aller en rechercher. Et à chaque fois pour re-rentrer dans le glitch, il vous faudra une auto-réanimation. Donc il vous faudra assez de matériaux pour pouvoir racheter une auto-réanimation et puis ensuite retourner dans le glitch. Et bien entendu, à chaque fois que vous voudrez changer d'arme, il faudra sortir du glitch pour aller chercher une nouvelle arme et puis y retourner. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.